Quelle luminosité! Ah, quel temps de merde! Il flotte sur ces îles magnifiques, à la population si dévorante! Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek sur Dead Island pour les vendredis, c'est Zombie, et je suis toujours bien entendu accompagné de mon ninja préféré, Chou! C'est moi, et je suis en train de tourner en rond comme un débile! Et ça se voit! Et les gens vont le voir! Mais si t'es fier de tes conneries, c'est le principal. Donc on a tous les deux acheté une machette de la mort qui tue à la connexion. On a un petit peu sauté dessus, on a même pas eu les moyens de l'améliorer tellement elle coûtait la peau des cacahuètes. Ah moi oui. Ah ça va, oh. Moi je peux la lancer, elle peut revenir dans ma main, voilà. D'abord. Bon, on va causer la demoiselle, on va partir sur la suite de l'aventure. Dans l'église. Pour retourner dans l'église. Bon d'accord. Tout ça pour ça. Bravo. Bravo le jeu. Bravo le veau. Bravo le mur. On vous félicite pas, hein. Et il y a des quêtes qu'on pop dans l'église? Non. Non, lui je veux pas te parler. Toi tu veux me dire. Mais monnaie. You showed a lot of courage saving your friend. She carries the fire of faith and you must protect her. We thank you for the supplies that you delivered to us. Our days are numbered on this earthly plane. But while we are here, we can still do the Lord's work. Allez, à bout de la thune. Oh la vache! Eh ben, t'as jeté la deuxième par terre, mon coco. Une deuxième machette de la folie. Si tu la prends pas, je la ramasse. Ouais, oui, tu pourrais limite aller la revendre et... Enfin bon. Hein? Bon, on doit faire quoi du coup? Ah bah, il faut lui reparler. Si tu veux vraiment te prouver que tu es worthy dans les yeux du Seigneur, tu dois faire son travail. Le cimetière est being desecrated par les abominations. Nous avons réussi à bury les brave ones qui ont donné leurs lives pour sauver ours. Mais leur paix est maintenant disturbée. Our Lord wants you to reclaim the consecrated ground from the devil's disciples. Will you fulfill his wish? Ah bah, oui. Sure. Marteau de Thor en récompense. No foul creature taints the sanctity of this place. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas beaucoup de son dans les oreilles non plus. Si. Bon, bah on va aller tuer des gens dans le cimetière. Ah. À tester la hachette de la mort. Est-ce que je m'entends quand je parle? Non, c'est bon, c'était qu'une impression. Donc, bah là. Ah, des copains. T'en vas déjà? Dans la voiture. Allez, à la station balnéaire. Mais non, t'es pas sur la bonne quête. Ah. Mais oui, tu veux... Eh oui! C'est quoi la quête alors? Alors, la quête, c'est on enterre les morts. Ah! Aïe 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 aïe. Mais quel temps de merde! Ils ont rajouté les temps de merde ou c'est une impression que j'ai? J'avais jamais vu ce temps à ce point là quoi. Non non, ils ont rajouté les temps de merde. Ils travaillent encore sur leur jeu. Bon. Ok. Il y a deux qui me touchent, je suis quasiment mort. Je commence bien. Moi j'ai un copain, un gros copain. Ah puis en plus t'es à l'endroit de... Ah oui, oui effectivement, oui. Effectivement. Tiens, prends cette petite dose. Oh non, oh, c'est moche. Tu m'as donné la dose mais ça m'a refroidi. What? Bon bah voilà. Il y en a un autre par là, hop. D'accord, en fait, il faut qu'on tue les chefs. Mais meurs! Alors, encore un couteau. Bon, moi, je ramasse le fric derrière. Coupole de tête. Rider kick! Oh, il y en a deux. Oh, il y en a deux. Aïe, il m'a lancé un couteau, l'enfoiré.
Ah non, pourquoi il montre qu'il y en a deux, il n'y en a qu'un seul. Ici, je vois ma maison. Elle est moche. Oh la patate de forêt qui m'a mis. Et pareil. Ça, il m'a tué. Ah, pas moi. Putain, allez. Il m'envoie des kilomètres en plus. Ça. Ah bah il tape fort. Il tape fort, hein. Un peu trop. Aïe. Ah bah il tape loin aussi. Moi, avec la machette, j'ai pas le bras assez long pour le toucher, mais lui, il a le bras assez long. Mais sérieux, c'était quoi ces géants avant l'accident, quoi? C'est bon. Oh la les vache. Joueurs de basket, sans doute. Oh lol, j'ai mis la bite à l'air. Lol, je savais même pas que c'était possible dans ce jeu. Ah non. Bon. Autre chose à faire dans le coin? On doit aller là-bas, maintenant. Oh bah c'est encore un grand con. Ah, y'a plein de grands cons à buter en fait. Dégage, tu pues. C'est marre. Y'en a un autre qui arrive derrière dans ton dos. C'est aussi un QG. Chocolat. Allez, boum. En fait, il y a des QG qui sont même pas. Qui sont même pas des gros en fait. Tout cassé. Tout pillé, tout cassé, tout retillé. Bah, bon, on va où là? Ça veut dire qu'on sera digne d'avoir le marteau de Thor alors maintenant. Bah, bon. Apparemment, ouais. Ce serait un peu vache qu'elle nous dise. Allez, vous voyez le marteau par terre là? Bah, si vous arrivez à le porter, prenez-le. Allez, mangeage de pommes. Very good. Donne de la bouffe. Becoming worthy in the eyes of our Lord. Marteau de Thor. Il est pas très puissant. J'ai quand même envie de l'équiper pour vous juste voir. Ah, j'avais des grenades. Oh le con. Oh, va vraiment falloir que j'aille retourner faire un tour au mec qui échange les... What? Bah, je suis un peu déçu, je dois avouer, là. M'attendais un truc un peu plus... épique. Il n'est pas très puissant, le marteau de Thor. Hein. On peut... Ouais, il est pas fifou. Il est pas fifou. Je pense que ça va très bien se revendre. Ouais. Bonjour monsieur, j'ai le marteau de Thor. Si vous êtes digne, je peux vous le revendre. Voilà. Au revoir. Alors attends, maintenant, parce qu'il y en a quand même des machettes qui me servent plus à rien niveau dégâts. Oh, c'est indécent les dégâts de l'autre, quoi. Donne-moi ma Kalachnikov. Donne-moi d'abord de l'huile. Maya. Donne-moi du sel. Hop. Non, là, je veux des balles pour le coup. Ah, trop de balles. Maintenant, je peux améliorer les deux autres. Non, celle-là. Oh. Ah, merde. Il faut d'abord réparer. Petit Choco, il faut réparer avant de vouloir améliorer. Ah y est, j'ai plus de sous. Je suis René. Tu es René? Oui. Attends, ça va faire plaisir à Céline. Oh, c'est pareil, la machette qu'elle nous a filée, l'augmentation, elle est dégueulasse, quoi. Les deux machettes qu'on a eues aujourd'hui, elles sont... mortelles. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu.
Mon dieu. Elle fait du 400, du 800 de dégâts maintenant. Pourquoi que j'ai dit 400? J'en sais rien. Tiens, il y a une quête qui a pop? Ouais. Écoutez. Je te vois pas. En haut. Oh, ils font chier! On voulait aller à la suite de l'île, messieurs, arrêtez de nous poser des questions, on voulait se casser. Non mais t'as pris la quête, moi je peux même pas la lire, je peux... Les gens savent pas ce que je veux, ce que... Bon bah il faut descendre, je sais pas c'est quoi la quête que t'as pris, je sais pas où on va, je sais pas qui tu es, qui... Je veux mon lapin! Bon c'est quoi la quête? 6 pieds sous terre. Trouver une bêche. Bon on est dans un... on a un cimetière à côté. Je vois pas où ça se trouve. Bah parce qu'il faut la trouver. Justement. C'est ça la quête, la blague de la quête. C'est qu'il faut trouver quelque part, il y a une bêche. Et il va falloir lui ramener. Donc là on est mûr pour visiter tout le cimetière. Sauf que j'ai une endurance de vieux. Ah non, moi ça va. Oui, toi tu peux parcourir tout le cimetière, je sais. Et refaire le tour même. C'est un peu exagéré ce... Tes endurances, voyons. Oui, un peu. Ça fait un peu, je sais pas, genre Flash. Bon, t'as un pochetron, donc du coup... Ouais, non mais justement, je cherche toujours l'avantage du personnage, alors que toi... Bon, moi, je trouve beaucoup les défauts du personnage, mais je trouve pas les avantages du personnage. Bon, en dehors du côté arme blanche, mais... même pas en plus, tiens, c'est meilleur pour ça. Je l'ai pris en mode aléatoire, le mien. Il est badass. Ouais, t'as eu de la moule. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bêche dans le cimetière. Monsieur, savez où il y a une bêche? Monsieur, madame. Par là, il dit. D'accord, par... ou madame. Oui, c'est vrai que... Une fois que tout est enlevé... Bah écoute, on va en faire une autre, parce que là, je vois pas de bêche. Je veux pas faire ma bêcheuse, mais je vois pas de bêche. Faire les poubelles. Plus ça va pas du tout intéresser mes viewers de nous regarder chercher des bêches. Hop. Les jeux d'espionnage. Alors, deuxième quête qu'on peut prendre, entité impie. Éliminer les morts vivants se trouvant dans... Ah oui bah celui-là on a eu du mal, on l'a pas trouvé. Il va peut-être s'afficher aujourd'hui. Non. Non plus. L'heure du jugement. Trouver l'arme dans la maison du voisin de Tim. Est-ce qu'il s'affiche? Oui, il s'affiche. Faisons ça. C'est l'heure de la dernière jument. Tatin, tatin, tatin. J'ai fait 5 mètres en courant, je suis épuisé. Merde, ça ressemble à ma RL. Ça ressemble à moi en vrai. Pousse-toi. En plus je me fais bousculer. voilà, d'abord moi j'aurais ramassé. Oh, y a du peuple ici. Oh, l'animation a changé. Essaie de le faire tomber et de lui écraser la tête. Oh non, c'est toujours la même. Bon, regarde, moi je sautille carrément dessus. Ah si. Je crois que c'est juste parce que t'as augmenté ton niveau, ça. Ah, peut-être. Bon. Sur quoi tu tapes? Bon. Ah! Oh, ça vaut pas le coup. J'allais chercher une bonbonne, mais... Voilà. Alors, les gens, pour ceux qui ne savent pas ce que fait Chou, ça s'appelle ouvrir la voie. Des horaires tout courts. Oui, bah ils sont sur la voie, hein, après. Alors, ici. Tourner dans le vide, vide. Donc ça arrive. Temps de... Waouh! Toi aussi, t'as une visibilité de merde? Oui. D'accord. Un copain! J'ai déjà coupé un bras, lol. Ok. Hop. Il t'a tatoué ou il t'a pas tatoué? Il m'a tatoué.
Bah je l'ai tué aussi. C'est quoi ces bruits? On est censé chercher quoi ici déjà? Pistolet de team, bah je crois que c'est ça en fait. De l'alcool. Il veut pas que je la prenne, tiens, c'est nouveau. Hey! Ah ça y est. Il a plus envie de boire. Curieusement, il l'a pas équipé. Y'a rien d'autre à visiter dans l'appartement, c'est tout ce qu'il y avait? Y'a même pas un petit implant quelque part? Oh l'autre, c'était... Hey, y'a du popcorn et du coca quoi. Mec, il se préparait une soirée sympa. Ah, un coffre ici. Là. Ouais, grosse boîte de baseball fiable, si t'as l'envie. Non. 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 Bah cette mission a été très rapide et très courte. Oui. On en est à 16 minutes d'enregistrement, donc on va peut-être pas s'arrêter tout de suite, on va... Non mais oh... Je dégage. Ce tranchage de tête. Ah non, c'est pas un zombie, ça. Oublie pas d'amasser l'argent, hein. Moi, après, je dis ça, je dis rien. Quand tu le fais, ça le fait pour moi, en fait. Ah, d'accord. 1300, il en avait, celui-là, sur lui. Attends, on doit repartir là-bas. On va peut-être voir s'il n'y en a pas une autre qu'on peut faire encore. Non, bah non. Ah mince, je l'ai pas regardé. Ah, 6 pieds sous terre, c'était? Non, c'était... Non, c'était pas ça non plus. C'était l'heure du jugement. Bon, bah allez, on va aller à... Le rendre ça en armes. Pardon. Moi, le mec qui est mort sur le rebord du truc, ça me fait toujours rire de lui mettre un petit coup de pied pour l'aider à terminer à prendre un nage. Le jus de citron. Putain, mais je ramasse tout le fric que je trouve, moi je suis un vrai sac. Hein. Je suis un vrai banquier, je suis un Macron. What? Court-circuit. Mais attends que je sois là pour rendre les quêtes, il n'y a pas l'histoire, les gens, les viewers, ils ont pas l'histoire. Ah. Et moi non plus. Mais il a rien dit, il a dit tu prends ça et tu te tais. Bon, alors s'il a dit rien que ça, alors c'est pas gênant. Pour le coup, on va le tuer. Une pioche rude. J'ai un truc à vendre. Bon, bah je suis un crevard, hein. Je vous bouffe toute votre bouffe. Bon, ça c'est fait. Ce que j'aime bien, c'est quand tu répares ton arme, tu la nettoies aussi. Ah bon? Ouais. Bon, on va aller à... On va... Je pense qu'on va arrêter la vidéo là, même si ça fait un peu short, en fait. Ça fait un peu court. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vidéo là, ou on... Là, il peut faire une petite mission, tranquille. Bah, surtout que là, c'est la suite de l'histoire, donc ça va nous emmener ailleurs. Ah bon, on peut l'arrêter là et recommencer plus tard. On va faire ça. Donc les amis, petite vidéo, petite reprise en main, début d'après-midi pour le gros Choco et le Chou. Donc merci à Wayne de ce commentaire tout à fait de circonstance. Il y a quelqu'un à côté qui dit l'odeur est épouvantable. Dis qu'on pue en plus en même temps que tu es, je te dirais que ça, moi, sale bête. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, likez, commentez, partagez, pensez à aller jeter un œil sur le YouTube de Chou, hein, normalement le lien est dans la description, même s'il met pas beaucoup de vidéos, il y a quand même des trucs sympas, allez-y. Cliquez sur le petit Tipeee, si vous avez 2-3 sous, je les accepte, il y aura peut-être au moment de la vidéo
celle-ci ou les prochaines, un lien uTip pour cliquer sur une vidéo de publicité qui permettra de rapporter de l'argent à votre humble serviteur. Si le lien est là, n'hésitez pas à y aller, hein, ça fera toujours plaisir. C'est un moyen de revenu qui peut être... Chou, t'as fait quoi? Je suis en train de parler tranquillement, t'arrives, tu te poses à côté de moi, ça hurle comme s'il y avait quelqu'un qui était mort. Oui. Bon, voilà, enfin bref, fin de la vidéo pour aujourd'hui.